Alors aujourd'hui on va tout simplement tester le Magic Trackpad 2 d'Apple. Donc moi ça fait un petit moment que j'ai déjà ce trackpad. Donc c'est pour ça que j'avais envie de le tester maintenant parce que j'ai vraiment mon idée sur l'expérience que peut donner ce trackpad. C'était un truc de dingue, hein. L'effet de folie. Donc tout d'abord ce trackpad, eh bien, c'est très simple, c'est un gros pavé blanc énorme et c'est juste génial. On a vraiment de la surface et on peut vraiment naviguer facilement et simplement sur macOS et c'est juste génial, c'est juste formidable. Et donc du coup tous les gestes multitouch de macOS peuvent être super bien refaits sur ce Magic Trackpad. En plus, ce Magic Trackpad il intègre la technologie Force Touch. Le trackpad va pouvoir, avec cette technologie, détecter la force que vous exercez. Et ça peut par exemple sur Safari prévisualiser une page web ou alors prévisualiser sur le bureau des images, etc. Et c'est juste top. C'est pas un truc indispensable, mais c'est un truc que dès que tu l'as eu, c'est un peu difficile de t'en séparer. Non, ne me laisse pas tout seul. Il est tout simplement, il est plus vraiment cliquable. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une surface tactile avec un moteur, un peu comme le Taptic Engine. Et en fait, ce Taptic Engine, il va vous faire croire qu'il y a une pression sur le trackpad alors qu'en fait, il n'y en a pas. Ça va permettre en fait de pouvoir cliquer sur n'importe quelle surface, n'importe où sur le trackpad. Et du coup, alors qu'avant, avec sur les trackpads, on pouvait cliquer en bas et puis plus on remontait, moins on pouvait cliquer. Et du coup, là, c'est vraiment génial. Franchement, c'est super. C'est super bien intégré. Ensuite, ce nouveau trackpad, il n'est plus à pile, il est à batterie. Et ça, c'est pas plus mal. En plus, il y a un câble Lightning qui est fourni avec l'appareil, ce qui est quand même plutôt sympa de la part d'Apple, sachant que c'est des gros radins de merde. Ensuite, l'autonomie, elle est franchement bonne. Moi, j'ai presque pas eu à le recharger depuis 6 mois. Et c'est juste top d'avoir un trackpad. Même pas du tout de la batterie parce qu'elle tient. Ensuite, malheureusement, ce trackpad, pour moi, il a deux points négatifs importants. D'abord, c'est qu'il n'est pas compatible avec tous les Macs. Il faut que vous ayez un Mac récent. C'est-à-dire qu'il puisse faire tourner soit El Capitan, soit macOS Sierra. Ou après, toutes les versions qui iront après. Sinon, le deuxième gros problème, c'est évidemment le prix de ce trackpad. On a un peu l'habitude avec Apple. Parce que l'ancien trackpad coûtait à peu près 70 euros. Maintenant, il faut débourser 150 euros pour avoir un trackpad. Eh, ça fait mal au cul. Dans ton cul, connard, ferme ta gueule. Du coup, c'est pas forcément terrible, surtout que 150 euros pour pouvoir déplacer sa souris sur un moniteur, y a mieux, hein, pour 150 euros quand même, y a un peu mieux quoi. Ce qui est énervant avec Apple, c'est qu'à chaque fois ils augmentent les prix et ils s'arrêtent pas, on se demande jusqu'à où ils vont les augmenter. Bonjour à tous, écoutez, Apple, nous, hein, on a réussi qu'à réaliser uniquement 30 milliards de chiffres d'affaires. J'ai mal. Bon. Donc je voulais savoir avec vous comment on pourrait essayer de augmenter un peu plus le chiffre parce que là on va pas s'en sortir quoi. Michel, moi je pense que pour changer un peu on devrait faire un truc un peu innovant, tu vois. Un truc un peu innovant qui change un peu d'habitude parce que franchement les iPhones, les Mac, les gens ils en ont peut-être un petit peu marre, tu vois. Hein, surtout pour ajouter une barre tactile, je pense qu'il faudrait faire mieux. Moi je pense surtout qu'il faudrait faire quelque chose d'innovant, un bon casque holographique et tout, personne n'a fait, à la sauce Apple. À la sauce Apple, et tu verras, ça cartonnera et tout. D'accord avec toi Michel, ça peut être une bonne idée d'augmenter un peu le prix des accessoires. C'est exactement ce que tu as dit. Tu vois, c'est vraiment fou, on se met bien Apple, exactement. Apple Inside. Et toi, Denis, on va pas s'emmerder, qu'est-ce qu'on préfère, on va faire un iPhone 7, blanc 2G, voilà, enfin, on va pas s'embêter, bon écoutez, on va augmenter le prix des accessoires.
Et on va augmenter à peu près le prix des iPhones, ouais. Les nouveaux Mac là qu'on va sortir, ce serait bien de les augmenter un peu. Bah écoutez les gars, on a fait du bon boulot, je suis content de vous. À bientôt. Et on gardera des nouvelles de ces augmentations. On arrive un peu à se rehausser parce que là ça va pas. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez de ce nouveau trackpad et si vous en avez déjà un. Pour ma part, j'avais pas d'ancien trackpad avant, c'est pour ça que j'ai acheté celui-ci. Et franchement, si vous avez l'argent, prenez celui-là, mais il n'est pas du tout indispensable. Si vous avez un faible budget, prenez l'ancien trackpad d'occasion ou même neuf, ça peut encore se trouver. Ça peut encore se trouver si vous cherchez un peu sur internet. Mais voilà, si vous avez de l'argent, prenez celui-là, vous aurez vraiment un confort d'utilisation. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et donc moi je vous dis à la prochaine.